Pika, un billet, 2 semaines. Tout coqui, quand se passe en Limousie, autour d'Aïwei. Et si vous vous promenez, si vous banturlez sur les routes du pays, vous pouvez voir et entendre cela. Alors, tiquez que voyou après à Falupalissou en temps. Il est temps. Et il est temps que nos grands-parents que nous apprenions à Falupalissou. Quand nous faisons la pelle torta à Meto, le boulanger. Qui est nous que nous faisons. D'accord. Vous fournissez le boulanger, vous montrez? Ah non, nous faisons le boulanger même temps. Ah oui. Pour le village. Et après, tout quand même. Enfin, toute la famille. Nous faisons. Et dans le village, il y a d'autres qui nous faisons dans Palissou? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. À part notre, le village ne le connaît pas. Il n'y a pas beaucoup qui faisons dans Palissou. Oui, qui est la famille Moreau qui fait. Voilà. Qui est palissounaire. Il faut tout le temps piquer un peu un billet. Pour que le machin s'aiderait. Voilà. Alors, Titi, quand il faut le double, voilà, quand Titi, de sur l'autre, vous n'osez pas l'autre de dessous. Vous n'osez plus. Vous n'osez plus. Faut prendre trois rangadas en arrêt. Alors, trois rangadas en arrêt avec l'autre qui va monter dessus. Alors, que le petit qui est en dessous, il est plus fine que l'autre qui est au mètre dessus, que la brèche. Ah. Que brèche l'autre, on ne veut pas le double même. Et toujours très en arrêt. Très en arrêt, parce que ça ne se dessert pas. Et on commence à piquer un billet doucement. Pourquoi? Faut que la côte soit régulière. Alors quand tu arrives à certaines largeurs, il faut que tu avec le maître, c'est que de la même largeur. D'un côté comme de l'autre. Comme quoi. Alors c'est 2,5 d'un côté, alors que à mon côté devait la monter. À quel endroit? Vous voyez? À quel endroit là il voulait monter. Qui est plus étroit à qui? Voilà. Et votre grand-père, il faisait de Palissou, comme qu'il a? Oui, oui. Oui, comme Titi. Comme le grand. Qui est le même? Qui est le même, oui. Comme Titi. Avant de Palissou, comme quoi? Faire le. Pas plus gros que quoi? Ah, un peu. Comme l'autre, tu es en dessous. Ah oui, comme quoi, qui, oui. Oui, voilà. Comme quoi, la petite torta. D'accord. Et le poste, c'est Mathieu qui t'a dit non? Voilà, avec un linge. D'accord. Un linge pour faire le val du pot. D'accord. Et il y a d'autres sortes de palissou que ça fait? Il y en a trois sortes. Oui. Il y a de la plus grande, du plus petit, comme quoi. Oui. Aussi. Le plus petit. Et oui, mais il y a trois sortes de grandeur de pot. Et alors, quoi servir à quelle trois sortes de. Nous m'en perdons le pot. Pour le pot, oui. D'accord. Il y a la petite tourta, il y a. De la pita, ah. De la moyenne et de la grossa. D'accord. Et autrement, le palissou a servi à quoi vraiment? Eh bien, nous. Non, on servait que pour le pot. Pour faire lever le pot. Et donc, pour faire un palissou en temps, il faut combien de temps? Oh, il faut 2 jours et demi. 2 jours et demi, 3 jours. Ah oui, quand même. Et juste pour un tour, il faut 6 mètres de ronces.
Ma per fa coqui si mettre? Oui. Alors, c'est à dire que si nous contenons le tour que nous avons, oui, nous avons. Qu'on fait de mettre? Qu'on n'aime pas de mettre de rondre. La rondrée, toute la rondrée qu'on venait ou une de la rondrée bien particulière que faut masser ou... faut la prendre la plus traite, qu'elle ne descend pas de tige. Faut pas qu'elle descende de tige parce qu'entre qu'il y a la tige, qu'on coupe, qu'il rien que de bois. Faut que quelque chose de la rondrée qu'il y ait poussé à l'ombre, donc, plutôt. Enfin, non? L'ombre, oui, un peu, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui. Entre, même au fraîche. Au fraîche? Oui, au fraîche. La soumière, oui, qu'un oui. Peu soleil, qu'on n'ira pas. Oui, 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 la pousse un peu beaucoup, même. Alors oui, quand une fois que le rondre est préparé, faut le fendre. Il faut le fendre en quatre. En quatre? Et en quatre, il faut bien segre la côte de la ronce. Ah oui. Il y a une côte, il faut bien le segre. La côte, parce que pour le coupant, si on ne sait pas, et puis ce aussi, il faut avoir un côté qui est d'affût. Bien d'affût. Parce que si on n'est pas bien d'affût, couvrir le ronce. Et des fils. Des fils, il ne faut pas épais. Il faut des fils. Oui, parce que si on ne coupe pas bien, mais tout, qu'on coupe de travers. Oui, qu'on parle bien. Il faut bien segre la côte de la ronce. De la ronce, pour que c'est régulier. Il faut tout le temps commencer par le bout et chabat par le. Chabat per la semelle de la ronce. Il faut commencer par la tête. Per la tête, toujours. Alors, quand on coupe la tête, alors, etiti, les coupes d'un dos, il faut toujours prendre la côte de l'autre. D'accord. Il y a une côte. Alors, après, voilà. Et puis, quand les chabats de l'enlève, on repasse à que là. Le d'arrêt d'un côté, qui est un fret, sur le jardin, mais à condition d'avoir un torchon, parce que c'est le patron que Dieu l'a pris. Ah ben, faut pas isoler le pantalon. Si ce n'est pas que le pantalon qui masse, on se fait un Dieu là. Qu'il a correcti de le patron. Oh, mais le patron n'est pas bien sensitif, il fait le support qu'il faut pas trop dire de moi. Allez, on commence. Bon, faut un aiguille de 4. Faut tout le temps piquer à mi-temps. Pour commencer. Petit. Ah, oui. Qui paysa pour commencer d'abord. Non, mais qui est parti après, c'est beau. Voilà, tout le temps un bidame. On a un biais. Et puis, il faut démarrer comme encore. Ah, oui. Là, on met d'autres pailles. Pour que l'année soit bien plein. D'accord. Et tout. E non ho mai spesso d'erba che è buono o d'altre spesso voilà. Che può dire? No. Che ma che è lo chi che vuoi? Oui, che è la chi che è di preferenza. Di preferenza della prenda. Che è la chi che monta, voilà. L'erba montante.
Voilà.